Bonjour à tous, je suis Lauriane, je travaille à l'office de tourisme Quimperlé-Terre-Océane et aujourd'hui on se retrouve pour notre premier rendez-vous en Terre-Océane pour découvrir le port de Brignaux à Moëlan-sur-Mer. Port d'intérêt patrimonial depuis 2016, Brignaux et ses allures de carte postale est aujourd'hui un port de plaisance d'où bateaux à moteur et voiliers partent le temps d'une journée en mer. Des quais, nous pouvons suivre le GR34, sentier de grande randonnée au balisage rouge et blanc. Suivez-moi. Ce sentier des douaniers nous mène aux vestiges de l'ancienne conserverie de poissons de Malachappe, ainsi qu'à un magnifique panorama. Pendant plusieurs décennies, au XXe siècle, la sardine a fait la pluie et le beau temps par ici. Brignaux était l'un des plus grands ports sardiniers français. Surplombant la mer à l'entrée de la ria de Brignaux depuis presque 100 ans, la conserverie de Malachappe s'est détériorée au fil des années et le conservatoire du littoral a décidé de rendre à la nature ce qui lui appartenait. De ce passé industriel, il ne reste plus que la partie basse de la façade qui a été rénovée et la crémaillère qui permettait de remonter les chariots de poissons. Vestige de cette époque, la façade domine la digue qui protège les bateaux lorsque la mer est en colère. Celle-ci nous offre ce magnifique panorama sur la mer et la côte sauvage. Chaque été, la foule et les bateaux envahissent le port grâce à l'association Brignaux Digue en fête qui fait revivre les fêtes maritimes d'autrefois. Arrivée des miséniers, jeux sur l'eau, animation musicale, découverte de la SNSM ou du milieu de la mer, vous êtes sûr de passer une bonne journée si vous passez dans le coin. Au fait, en arrivant à Brignaux, vous ne pourrez pas rater la vache. La vache. À l'époque, elle servait à organiser l'attente des sardiniers au débarquement des conserveries du port. En 2009, elle a été enlevée du port par phare et balise avant d'être stockée aux anciens services techniques de la ville. Après s'être fait refaire une beauté à Concarneau, la municipalité a décidé de rendre à Brignaux ce qui appartenait à Brignaux. Bon, et c'est pas le tout, mais moi j'ai encore plein de belles choses à vous faire découvrir par chez nous. Alors j'espère que ce premier rendez-vous vous aura plu et on se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous en Terre-Océane. À bientôt. We'll be right back.